Tov, 17 à 10 cheval, nous sommes le 26 Cheshvan, 5774. Daf, Tet Amoud Alef. On a mis le feutre aujourd'hui. Avec Techalavim, Berem, Mizad, 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 Shacha, la Gemara nous a rapporté plusieurs exemples, la Mishnah nous a rapporté plusieurs exemples, que la mitzvah a été, que la mitzvah a été jusqu'à. Jusqu'à Chatzot, mais qu'on pouvait. C'est-à-dire, on va dire que officiellement la mitzvah était jusqu'à Amoud HaShachar. C'est où exactement? Daf Tet Amoud Alef. Vous voyez les lignes larges, donc s'incliner avant les lignes larges. Bah, on est arrivé là-bas hier. Ah, peut-être que. Peut-être qu'on n'a pas fait Velozu Bilvad, Amon? Non, on n'a pas fait. Ah, excusez-moi, désolé. Alors, s'incliner avant, aux deux points. Ah, excusez-moi. Là, ok, c'est là. Rosbi va d'abord et là vous coulez. Verabal Gamliel mi kamarat chatzot. Vetak de katan et velozu bilvad. Parce que qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? Que Rabban Gamliel descend velozu bilvad et encore plus. Ça veut dire qu'apparemment il est d'accord que c'est jusqu'à chatzot. Mais apparemment on a dit que Rabban Gamliel dit que c'est jusqu'à l'aube. Alors, Arikamar, comme ça il faut comprendre ce que Rabban Gamliel a dit. Arigamar lehu, Rabban Gamliel bané. Ainsi Rabban Gamliel a dit à ses enfants: Afilu le Rabbanan de Kamri al Chatzot. Même selon l'avis de Chachamim qui ont dit qu'on peut lire jusqu'à Chatzot, la vérité mitzvata tchamod hasharak. La mitzvah elle est jusqu'à l'aube. Ve'ay de Kamri al Chatzot. Pourquoi les Chachamim ils ont dit jusqu'à Chatzot? Pour qu'elle ait l'achikat d'Aminavra pour éliminer l'homme de la faute. Parce qu'en fait, si on lit la Mishnah, Rabban Gamliel dit velozu bilvad. Et encore plus. Alors, ça c'est encore plus, ça veut dire que tu te bases sur l'avis d'avant. D'accord ? Donc, effectivement, comme on l'avait vu hier ou avant-hier, il n'y a pas une véritable marquette entre Chachamim et Rabban Gamliel. Les deux, ils pensent que le Minadin, on peut lire le schéma jusqu'au matin. Et quand il y a marqué dans la Torah où Shor Becha, c'est pas seulement au moment où tu vas t'organiser d'aller dormir, mais c'est au moment où les gens ils dorment, donc c'est toute la nuit. Donc, on peut lire le schéma, le Kriyat Shema du soir, en fait, toute la nuit. Les Chachamim vont jusqu'à Chatzot. Pourquoi ? Pour éloigner l'homme de la faute. Ça a l'air ? Très bien. On met la Tagmara Kedoshah dans l'ensuite de la Mishnah avec tes Chalavim et Varim de la Shachar. La Mishnah nous rapporte plusieurs exemples de choses. Que la mitzvah, elle est jusqu'à l'aube. Mais que les Chachamim, pour éloigner l'homme de la faute, ils disent que c'est jusqu'à Chatzot. אומרת הגמרא הקדושה, ואילו אכילת פסחים לא קטנה! לפורה למשתה פעם אחכה, אכילת פסחים, דמרג'י, לניו פסקל, לקורבן פסח, ורימיני, אובג'קשן! זו סוכס תנאיק! קריאת שמע ערבית, דלב פסחי, קריאת שמע ערבית! יאי דיברה איתה כאילו סביבון. קריאת שמע ערבית, קריאת שמע דיוסואר, לקור קומרסת דיוסטר טרון משה דוד, והלל בליל פסחים, אלו הלל דולניו דפסח, ואכילת פסח, אלו פי דמרשיל, אני ופסקל, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר, למצווה אלה ז'וסקה לוב. Alors pourquoi la Mishnah nous a pas rapporté cet exemple de manger le Pessah jusqu'à l'aube? Omar Abia, Issev, réponse de la Gemore, Lokashia, ce n'est pas une Kushia, Samuel Azeroat, tu es avec nous, Alouta Gemara. C'est ta Gemara? Elle où la tienne? Elle a rien à faire dans ton casier, elle doit être ici. Omer Tagmara, Kdosha, Omar Abia, Issev, c'est pas caché, Lokashia, Rabbi Ladronazar et Rabbi Akiva, en fait, c'est une machloket Tanaïm. Une marroquette entre deux Tanaïm, deux avis. Il y a l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria et l'avis de Rabbi Akiva. Et notre Mishnah, elle va selon Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit qu'effectivement, le fait de manger le Korban Pessah, c'est seulement jusqu'à Chatzot, c'est pas jusqu'à l'aube. Et c'est pour ça que dans notre Mishnah, il n'y a pas marqué l'exemple d'Achilat Pessahim. Parce que d'après Rabbi Elazar ben Azaria, effectivement, et donc d'après notre Mishnah, on peut manger l'anneau pascal que jusqu'à Chatzot et pas jusqu'au matin. Contrairement à Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva lui pense qu'on peut manger l'anneau pascal jusqu'au matin. Donc là, ce qui est marqué, Verimino, objection, Kirat Shema Arvid, Valel, Belel, Pesachim, Vachinat Pesach, la mitzvah elle est jusqu'à l'aube, ça c'est pas selon notre Mishnah, ni selon Rabbi Elazar ben Azaria, c'est selon Rabbi Akiva. Et comme ça, les choses sont en l'ordre. C'est une mahloket Tanaïm. Ok, Détania, la preuve est que la Bretagne du Jésus suivant, vous mangerez la viande, donc c'est la viande de l'agneau pascal cette nuit-là.
Rabbi Lazar ben Azaria nous dit, Neymar kal balayla hazé, il y a marqué balayla hazé, cette nuit-là, hazé, tu mangeras les noix pascal. Veneymar le ala, dans la suite des pesos qui m'a marqué, va partir, Beretz Mitzrayim balayla hazé, Kadosh Baruch Hu, il descendra en Égypte cette nuit-là, avec le mot hazé, cette nuit-là, hazé. Mal le ala natchatzot, de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il va descendre en Égypte, ça sera achatzot. Afghan, pareillement, on doit manger l'agneau pascal jusqu'à Khatzot et pas plus. Les halan, dans la suite. Ok. Donc on fait une Xerah Shabbat qui a marqué. Ve'achelou et habassar. בלילה הזה, כמחכה ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, כמחכה הזה, הזה, שוי הזה יש לי לשכת עשה הזאת. דומה, לא הזה עושי, עשה החצות. דומה, דומה, מורה לרבותיי. עשה סי לבית רבי. Ok. Merci. On va pas laisser la mouche nous déconcentrer quand même. C'est pour ça que je la tue après. Et donc, ça, c'est la vie de Rabbi Ben Azaria. Amar le Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a dit, va l'okvar ne mar bechipazon, ne marquez va chaltem auto bechipazon, vous mangerez l'agneau pascal bechipazon en vitesse. Avec précipitation, c'est un meilleur français. C'est quoi bechipazon? Ach, atripazon, jusqu'au moment où vous devez sortir par précipitation. C'est quand? Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Le matin. Ok, donc on faut effectivement, donc d'après Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva qui dit, va achaltem auto bechipazon. C'est quoi bechipazon? Ad she'at chipazon. Jusqu'au moment où il va sortir par précipitation, c'est en français précipitation. Ok, et donc c'est quand? C'est alot. Achachar, en français, love. Comme disait Marseillais. La. À la rose. Bon. Nous dit la Gemara. Ah, donc, selon Rabbi Akiva, Imken, Matalmon, le Balaïla. Alors, qu'est-ce que tu viens de nous enseigner du mot Balaïla? Puisque tu peux le manger jusqu'au matin, qu'est-ce que tu apprends de balayla? Yachol yenechal kakodashim, on pourrait peut-être a priori penser et dire qu'on va faire une comparaison entre de manger le pascal et d'autres kodashim, et que les kodashim c'est d'autres korbanotes qu'on peut les manger aussi le jour. Talmud Omar balayla, c'est pour ça qu'il faut préciser, que la Torah nous précise qu'on doit manger la nuit au pascal seulement la nuit. Balaïla hunechal, il se mange la nuit, velo bayom et non le jour. Ok? Comment? Alors on va y arriver. Bish lama. Rashi. She'atripazon, au moment de la précipitation, she'nerpez ou la tzel, ils sont dépêchés à sortir, ve'aïno setatira moudacha, charlob, que dire, t'y marquer l'otetse ou ishme betarpe de boker, que personne ne sortira de sa maison jusqu'au matin, donc on est sorti quand on est sorti? Le matin d'Égypte. Donc, she'atripazon, au moment de notre précipitation, c'est le matin. On l'a fait hier. Si? Pour regarder dans le site. Omer et Agmara Akdosha, www.torahisrael.com. C'est quoi? French. C'est quoi? On pourrait penser que quoi, Kishar Kodashim, que le Korban Pesach il se mange comme les autres Korbanot, Bayom, donc la journée.
שחיטתו כדרך תודה, שאף יזמן אכילתו יום אחד, ואוכל והולך כל יום שחיטתה. Comme le corban toda, quand le morceau d'une journée, tous les jours, on le sacrifie, on fait la shrita le matin, et on le mange toute la journée la nuit. עד הבוקר שקו מתן. אוקיי? ז'רו פרנדו לגמרא. משלמה לרבי אליעזר, אלעזר בן עזריה. דאית לגזרה שווה. יצטרך למכתב ליעזה. פור רבי אלעזר בן עזריה, אנחנו קוראים פור יעלמו הזה. סתנוי לה. כמובן סמך ירון לא לטבלו, ואכלו את הבשר בלילה הזה. דימו הזה, הוא נפחון. כוסי ז'וסקה. Chatzot, en tout cas Moshe, il est bien concentré. Elle allait Rabbi Akiva, mais pour Rabbi Akiva, Hazé Maï Avidle, pour l'interrogation, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Hazé? C'est-à-dire que pour Rabbi Lazar Ben Azar, on comprend, il aurait pu être marqué par contre à Passar Balaya. On mangerait l'agneau pascal cette nuit. On sait ce que c'est. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Hazé? Pour Rabbi Lazar Ben Azar, on comprend bien avec Zera Shabak, jusqu'à Chatzot, mais pour Rabbi Akiva. C'est ce qu'on va voir pour Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on fait du mot Hazé, et moi avec celui tout de suite. Ah, c'est ce que je dis, Nachazak. Omer, t'as comme un ragdosh, non, je n'avais pas compris ce que tu dis. David Toboul suit aussi. Comme ça, tout le monde le sait. Moi, il faisait le fenêtre, je suis. Elle allait Rabbi Akiva, elle s'est maï avidlé. Mais pour Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait du mot hazé? Réponse de la Gemara, le mirout et laïla akher. Pour t'exclure que nous n'avons point le droit de manger le pascal une autre nuit que cette nuit-là. Où Deata vient nous enseigner, virgule. Sa merda est alef, salka da'ata chamina. J'aurais pu penser, oh il ou pesa kodashim kalim. Puisque le korban Pessah fait partie des Kodashim Kalim, comme le korban, c'est des korbanot Shlamim, des korbanot qu'on amène en offrant à Kadosh Baruch Hu comme korban Toda, El Nazir, Maaser, Pessah, beaucoup de korbanot comme ça, que effectivement, c'est pas seulement tu amènes un korban, mais toi aussi tu vas en profiter, tu manges. Ce korban Pessah, on mange. On le mange partout dans la ville de Jérusalem, qui est entourée de murailles. Donc on aurait pu faire une comparaison comme ça. Donc, Oilou, Pessah Kodashim Kalim, puisque Pessah, il rentre dans la catégorie de Kodashim Kalim, ou Shlamim Kodashim Kalim, et Shlamim aussi, les Korban Shlamim, il rentre dans la catégorie de Kodashim Kalim. Ma Shlamim, Nechalim Shlamim, là, il est de la même manière que les Korban Shlamim, ils se mangent deux jours et une nuit. Ça veut dire que c'est la journée, la nuit et la journée d'après. Oh, c'est trop beau. אף פסח נאכל לשני לילות במקום שתי ימים. אני רוצה פה זה, עושה קורבן פסח, זה לנוי. עד הרדולה ממניאר כשלמים זה דו ז'ור אינוי. אבל קורבן פסח שורה דו נוי אין ז'ור. לנוי הוא עופן קורבן. דורק, זה שרה לפרמייר נוי. לז'ורנה. Et ensuite, la nuit d'après. Donc, une nuit, une journée entière, encore une nuit. Afpes, on dirait, Nechal, Nochal, Shtel, Elod, Bimkov, Shtel, Yamim. Et Yé, Nechal, Shtel, Elod, Vyom, Echad. Ça, deux nuits, un jour. Kamash Malan, c'est pour ça qu'il y a le passage qui nous dit. Balaïla Hazé. Cette nuit-là. Balaïla Hazé, on est Echad. Cette nuit-là, on le mange. Venon, Ochal, Belaïla, Acher. Et il ne se mange pas une autre nuit. Rashi Akadosh, Mashlamim, Nechal, Ishna, Yamim, Belaïla, Echad. De la même manière que Korban Shlamim se mange deux jours et une nuit, Shebentaim, c'est-à-dire deux. Là aussi, par exemple, il faut lire le Rashi comme ça. Il n'y a pas de point. L'Ishlamim, Belaïla, Echad, Shebentaim. Deux jours. Et la nuit qui est entre ces deux jours-là. Dire-t-il que marqué, Beyom ziv hachem yach. Le jour où tu fais ton korban, tu le mangeras. Ou bien chorat, et le lendemain. Donc c'est la journée, la nuit et le lendemain. Af pesach, pareillement pesach. Nam, et on dirait la chose suivante. Oh, il venon echal et la balaïla. Puisque le pesach, il ne se mange pas la journée, il se mange la nuit. Nokim.
Na'amid. On dira, on apprendra, on supposera. Shneleilot bimkom shlamim. Deux nuits à la place de deux jours. Des shlamim. C'est-à-dire deux nuits à la place des deux jours du korban shlamim. Ve'yenechal. Et donc tu diras comme ça. Yenechal bishneleilot. Ça se mangera deux nuits et un jour. Lo shi'achal ne bayom. C'est pas que tu mangeras le jour. Et là, shi'eshehut. C'est-à-dire que tu auras le temps. Zman. Shelo yipasel ba'achila. C'est-à-dire qu'il ne va pas être interdit de le manger. Bishilam tanatayom. Parce que tu attends une journée. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le manger la première nuit. Ensuite, la journée, tu n'as pas le droit de manger parce que ça se mange seulement la nuit. Mais au moins, le jour, tu attends. Et aussi, la deuxième nuit, tu pourras aussi le manger. Kamash malan. Mais on sait que non. C'est pour ça qu'il va arriver à l'aïlhazé. Seulement cette nuit-là et pas une deuxième nuit. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il vient de nous apprendre. On aurait pu penser que quoi? Que Korban Pessah, c'est comme Korban Shlamim. De la manière que Korban Shlamim, c'est deux jours et une nuit. Alors, on dirait aussi que le Korban Pessah, c'est deux nuits avec un jour entre. Maintenant, ce n'est pas que tu vas manger pendant la journée, parce qu'il y a marqué dans la Torah que va marquer Tabasar Balayla, que tu le mangeras la nuit. Donc, c'est sûr que tu vas manger la journée. Mais tu aurais pu penser que quoi? Que tu as droit, que toute la nuit tu peux, ensuite la journée tu fais stop, mais la nuit d'après tu pourras encore manger. Kamashma, c'est pour ça que marqué va achelou et Tabasar Balayla Hazé. C'est pour ça que le mot Hazé, seulement la première nuit. Donc, ça, c'est pour Rabbi Akiva. Verabi Lazar Ben Azaria. Donc pour le mot hazé, du mot hazé. Rabbi Elazar Ben Azaria, il dit. Mais comment tu parles à Pierre? C'est pas moi qui ai dit ça, non, je te jure, c'est pas moi. Après, qui se balance celui qui a dit le mot? Rabbi Elazar Ben Azaria, il dit la chose suivante, du mot hazé. On apprend que c'est jusqu'à Khatsot. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il apprend? D'après Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on apprend? Il a fait mal. C'est qu'une relation. Laïla Echad. Maintenant, Rabbi El-Azhar Ben Azaria, d'où il apprend qu'on peut manger qu'une nuit et pas deux nuits? Vas-y, la Gemara. Mais non, de Hazé, il apprend que c'est jusqu'à Khatsot. Rabbi Akiva dit qu'on peut jusqu'au matin. Qu'est-ce que Rabbi Akiva apprend de Hazé? Que c'est seulement une nuit qu'on peut manger. Maintenant, comment Rabbi Akiva il apprend que c'est qu'une nuit et pas deux nuits? Nous dit la Gemara. Parce qu'il écrit Laïla, pas l'ilote. Verabi Lazar ben Azar, amelototiru ad boker nafka. Il y a marqué que tu ne en garderas pas jusqu'au matin. Donc, forcément, que c'est seulement une nuit. Ça veut dire que tu dois le manger jusqu'à Khatsot. Et s'il en reste jusqu'au matin, alors au matin tu vas le brûler. Mais c'est sûr que c'est pas une deuxième nuit. Donc lui, il apprend. Et ça, il apprend que c'est Laïla Echad. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va apprendre de ça? אומרת הגמרא הקדושה ורבי עקיבא אם מעט המעבר מן המי בוקר בוקר שני רבי עקיבא היית יודע כשי תורא tu peux pas apprendre de c'est seulement que une nuit. Pourquoi? Parce que tu aurais pu penser de quoi? Que la laïra. Que c'est jusqu'au matin du deuxième jour. Matin du deuxième soir. Et Rabbi Lazar a marlecha kol boker boker ishanu. Et Rabbi Lazar ben Azaria dit non. Quand on dit boker, c'est toujours le premier matin. Ok. Ok. Vehane Tanae, Kehane Tanae. C'est deux, cette machlok et Tanae entre Rabbi Lazar Ben Azar et Rabbi Akiva. On a dit tout à l'heure que notre Mishnah, elle va selon qui? Rabbi Lazar Ben Azar. Donc notre Mishnah Tenu, et la Braïta que la Gemara rapporte est selon qui? Rabbi Akiva. Braïta. Rabbi Akiva. D'accord, Rabbi Akiva.
Maintenant, Vehanetanae, Kehanetanae. Maintenant, la Gemara va nous rapporter encore une autre braïta, une autre source tanaïque, qu'on peut voir la même machloket. Détania, que l'on va dire une chose suivante, Shem Tizbaret à Pesach Barerev, que vous Hachem, et Shmoel, c'est des Rami Mitzrayim. Il faut faire attention parce que quelque chose qui peut être très mébalbel, très trompeur. Il y a marqué comme ça. Sham Tizbah et ta Pesach Ba'erev, là-bas tu feras le Korban Pesach le soir, Kevo HaShemesh, quand le soleil partira, Moïse et Tramitraï, au moment que tu sortiras d'Egypte. Alors là, Rashi Akadosh, il nous explique tout, comme ça on a un bon prof, Rashi c'est notre prof. Nous dit Rashi, Sham, je lui dis dans Rashi, Sham Tizbah et ta Pesach Ba'erev, Kevo HaShemesh, Moïse et Tramitraï. Arelecha, Shelosha Zemanim. Tu lis bien ce pasouk, apparemment le pasouk te parle de trois laps de temps différents. Arelecha, donc tu as Shelosha Zemanim, Shelam Shavim. Trois laps de temps différents. Shavim, c'est pas une valeur. Sham, il y a pas comme ça. Sham, là-bas, Tisba, et ta Pesach. Donc tu feras le droit de Pesach. C'est quoi celui de Pesach ? C'est ce que j'ai dit. Ba'erev. Ba'erev, Gvo, HaShemesh. Kevo, HaShemesh. Moed, Sitra, Yisraël. Non, c'est quoi? Savez, c'est pas différent. Il y a marqué chez Enam. Chez Enam, chez Enam. Chez Enam, sont différents. Ils sont pas différents. Il y a là-bas, donc au Beth Amikdash, Tisbach et ta Pesach, tu feras ton Korban Pesach. Le soir. Il y a marqué trois laps de temps. Bah, et le soir. On va voir, ça veut dire quoi? Kevo HaShemesh. Le soleil se couche. Le soleil est en bas. Ça veut dire quoi? Moi, c'est très grand que tu sors d'Égypte. Et sur ça, il y a la marque. Regardez, Rashi. Ba'erev. Alors, Ba'erev, là, c'est différent. Nous, là, les étudiants disent que Ba'erev, c'est le soir. Là, tu dis qu'il y a tout si l'air. Et donc, on va commencer l'ombrage de la soirée. Ça veut dire quoi? Aïno, c'est-à-dire les achar chatzot. Après chatzot, chez Nistaleka, Hama, Merosh, Koladam, que le soleil commence à sortir. À s'enlever de la tête de chaque personne, Venateta le Maharav, elle commence à se coucher vers l'ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil, la journée, elle commence le matin au Mizrach, le soleil il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Ça veut dire qu'il y a tout un. Ça commence de là à là. Ok, là c'est la Zricha, le soleil il fait tout ce chemin. Là c'est Chatzot. Quand il est sur notre tête, c'est-à-dire quand au zénith. Donc en fait, dès que Chatzot est passé, le soleil en fait déjà commence à se coucher. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a tout, c'est quoi Erev? C'est le Chatzot en fait. Quand le soleil commence petit à petit, c'est vrai qu'il est hyper chaud en grandeur, on va dire qu'il est arrivé à son sommet, mais là le soleil commence à se coucher. Donc c'est pour ça que dans Erev, ça peut être trompeur, c'est peut-être que ça vous a peut-être accepté contre un peu de moi. Ba'erev, c'est quoi, nous dit Rashi? C'est après Chatzot. C'est depuis Chatzot. Depuis. Mais comment, tu peux, depuis, comment on peut déduire ça de ce pont hein, depuis Chatzot. Ensuite, je continue dans Rashi. Mais comment vous avez compris que. C'est Rashi qui a expliqué. Ou Ba'erev, dans le mot Ba'erev, on comprend que c'est Chatzot et que c'est pas. Depuis Chatzot. Entre Chatzot jusqu'au coucher du soleil. Et comment on sait que c'est Ba'erev ça? Eh bien, parce qu'il y a un problème dans le passage. Il y a marqué le Shabbat Dizmar et Tapesar. Là-bas, tu feras le Korban Pesach. On sait que c'est le 14 Nissan. Ok ? Ensuite, il te dit 3 laps de temps. Pourquoi tu as besoin de dire 3 laps de temps ? Si c'est tout au même moment, tout d'abord, il y a plusieurs choses à faire. Il faut faire le sacrifice. Il faut le manger. Il faut peut-être le brûler. Donc, c'est pour ça que la Gemara, les Tanaïm, ils viennent, Torah Shebe Alpe, ils viennent expliquer Torah Shebe Chtam. Quelque chose qui n'est pas clair ici. Parce que si. Où on voit 3 laps de temps? Si tu te dis pas HF, Kevo HMH. Virgule. Kevo HMH. Virgule. Moed, c'est Rami Mitzrayim. Peut-être que quand il dit pour expliquer pas HF, alors pas HF, c'est Kevo HMH. Alors c'est. Bon, on pourrait peut-être dire ça, mais les Tanaïm, ils ont une autre explication. Je te dis la chose suivante. Je te dis que tu as 3 laps de temps différents et ils vont t'expliquer. Le premier laps de temps, c'est depuis Chatzot. Depuis Chatzot, on va voir si tu fais la shkita du travail. David, tu écoutes? C'est David Teboul.
Comment on peut comprendre que Ba'erev c'est depuis Khatsat? Bah, on vient d'expliquer. Non, mais depuis Khatsat c'est pas Ba'erev. Ba'erev, on parle du soir. On parle bah, alors c'est pour ça que Rachid a dit dans les mots Ba'erev, c'est quoi Ba'erev? Deux points. Qui n'a tout silélé à Erev, quand va commencer l'ombrage de la journée à tomber, Haino, c'est-à-dire la Khatsat, après Khatsat. Pourquoi depuis Khatsot, le soleil commence à baisser, à se coucher de la tête de toute personne, à zénité. Venateta les marais commence à se coucher à l'ouest. Ensuite, Kevo Hashemesh, c'est quoi Kevo Hashemesh? C'est-à-dire quand le soleil s'enlève, Kevo, c'est-à-dire il s'en va. Mais chez Khashekha, c'est la tombée de la nuit. Ensuite, Moed, c'est Khabi Mitzrayim. Au moment que tu es sorti d'Égypte, bah, Boker, c'est le matin. Comment on va pouvoir appliquer ces trois laps de temps? Ba'erev, donc depuis Khatsot, Isman Shechita, quand est-ce qu'on en fait la Shechita du Korban Pessah, c'est quand? C'est depuis Khatsot. Mais t'imagines, il y a tout le Israël qui vient faire le Korban Pessah. Ça prend un temps fou. Alors, depuis Khatsot, on commence à faire le Korban Pessah. On commence à faire la Shechita. Ensuite, Kevo Hashemesh, la tombée de la nuit. Atralat Zman Achila, c'est le début du moment où on peut commencer à manger. On fait la shrita de Khatsot, de tout l'Am Israël, des millions de personnes qui viennent. On fait la shrita, à la chaîne. Plein de Kohanim, ils font la shrita et tout. Non, mais c'est marqué comment ça se passait. Là, il passait, tac, tac, tac. Il y avait des tours, de rôle, là, et tout. Et donc. Comment est-ce qu'ils font pour se couper les mecs? Pourquoi? Attends, viens, avance. Après, on fera la théologie. Et donc, d'abord, on comprend le chat. Oui, donc, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Comment il y avait à l'Alva et à Jérôme Joseph 1 million de personnes. Oui, il y avait. C'est un miracle, frère. C'est un miracle. Prie pour la Guéoula, tu verras, on verra comment ça va se passer. Et donc. On dit pas bouffer, on dit manger. Il y a quelqu'un qui a. Comment on dit ça, un adrichal, un architecte qui de nos jours, qui prévoit comment organiser et constituer Jérusalem au temps du Beit Hamikdash. Comment organiser le fait, parce que dans le temps, il n'y a jamais autant de juifs. Alors tu imagines tous les juifs qui viennent, il a vraiment fait, il a organisé des hôtels, un architecte. Comment prévoir la ville de Jérusalem pour qu'elle puisse contenir pendant les trois régalim, 10 millions de personnes. Ah, c'est un bon business. Hein. Attends. Tu fais des tours d'hôtel. Avec le tourisme. Autour du Beit HaMikdash. Il a, je sais pas comment, genre des trains, des tramways, un truc d'avion pour pouvoir. Vraiment, un truc magnifique, quoi. Ouais, un truc extraordinaire. Pourquoi? T'as un burger aussi. Tu vas prendre un Coran Bessar. Bah, c'est possible. Tout est possible. Oh, il a bu. Tu fais des tours avec des hôtels. Avec toi. Il y a 1 million de personnes qui sont venues à Géol pour l'enterrement. Voilà, c'est ça peut rentrer. Voilà. Ok, on avance. Dis-moi, au temps de Koresh, je vous ferai un tuyau avec le Rav Franck, que dans le Kotel, pas qu'on voit, qu'on rentre là-bas à gauche, tu vois une pierre. Ah oui, un jusqu'à aujourd'hui, ça part comment ils ont fait pour la porter. Jusqu'à aujourd'hui, quand 15 tonnes. Qu'il faut 150 éléphants pour la porter. Ils ont peut-être pris 150 éléphants. Alors essayez, d'où ils l'ont ramené? Comment ils l'ont ramené? Tu la vois de tes yeux. Peut-être qu'ils ont pris 150 éléphants. Alors s'ils ont réussi à faire ça, de nos jours, avec toute la technologie, tu peux faire des tours et tout ce que tu veux. Avec une puce comme ça, on peut la faire enlever. Ok. Bon, on avance. On avance, Moraï Veraboïsa. Et nous sommes dans Rachid. Elle était déjà là. Tu nous dis qu'elle était pas déjà là. Mais elle est taillée. Bah, ils l'ont taillée sur place. Ok, alors peut-être. Voilà. Je fais un drone devant Grab Israël. C'est quoi un drone? Il explose, il rentre dans une maison et. Bon, on peut avancer là. Vous sortez de Atem Tsibirikou, vous sortez de la concentration. Rachi. Ketsadit Kaimokulam, comment tu vas pouvoir
pratiquer les trois laps de temps. Ba'er et Bezman Shechita. Je suis en parashi. Donc depuis Chatzot, le temps de, c'est le commencement du temps de faire la Shechita. Kevor Hashemesh, au coucher du soleil, Atrat Manachila, le début du moment où on mange le Korban Pessah. Moaet et Chamitra, le moment que je suis sorti d'Egypte. Zman Serefa. C'est le moment où on déjà on doit brûler le, ce qui reste. Klomar, c'est-à-dire Babokir Unaras Notar. Le matin, il devient Notar, c'est-à-dire quelque chose que il est, c'est les restes. Et les restes, on doit brûler. Shigaz Ben Trefa, il arrive le moment de la brûler. Elle a les fiches et une sorfim Kodashim Yom Tov, parce que c'est à Yom Tov, on ne peut pas brûler les Kodashim. On attend le Bokashim Yom Tov, donc le matin de Chol HaMoed, pour le brûler. Mais c'est sûr qu'on ne peut plus le manger. Ok, donc ça. On voit, donc ça c'est premier avis, Tanakama. Ensuite, Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, j'ai pas lu dans la Gemara. Anetanaïk, Détanaïk a marqué, Sham Tizbach et Tapesar, que vous achemez, je m'en vais être Chamizraim. Rabbi Lezer, il nous dit, Ba'er et Atazover. Donc c'est pas le soir, c'est depuis Chatzot, tu fais le Korban, tu fais la Shechita. Ou que vous achemez, Chatarochel, quand le soleil se couche, tu manges. On va être Chamizraim, au moment où tu es sorti d'Égypte, Atazorev, tu brûles le Korban. Rabbi Yehoshua, il te dit, Ba'er et Atazover. Donc depuis Chatzot, tu fais la Shechita. Kevo Hashem Hashata Ochel. Tu peux le manger depuis la Shkia. Ve'ad, depuis le coucher du soleil. Ve'ad Matay Hata Ochel Ve'oler. Et jusqu'à quand tu peux manger. Adwa Etzed Ham Yisraim. Donc le matin que tu es sorti d'Égypte. Nous dit Rashi. Ad Matay Hata Ochel. Jusqu'à quand tu manges. Haino Ski Rabbi Akiva. Le deuxième avis qui est donc Rabbi Yehoshua. Il va selon Rabbi Akiva. Que jusqu'à quand tu peux manger. Jusqu'au matin. Avec Tanakama, pour Tanakama, tu vas manger que jusqu'à Chatzot. Avec Manachia, c'est le temps de manger, mais tout l'eau, et pas plus que ça. Dilo, si tu n'expliques pas comme ça, Maïbina, quelle est la différence entre les deux avis? Donc on a deux avis. On a Rabbi Eliezer. On a Rabbi Yehoshua. Il te dit, depuis Chatzot, on peut faire la Shechita. Les deux, c'est pareil. Depuis Kevo Hashem et Selashkia, le coucher du soleil, tu peux manger, Afrila. Et après tu peux brûler. Et d'après Rabbi Eliezer, tu brûles le matin, Srefa. Mais d'après Rabbi Yehoshua, tu peux continuer à manger jusqu'au matin. Vous avez compris? Les deux tu brûles, on va dire. Les deux tu brûles le matin. Alors c'est quoi la marloquette? Ils disent pareil. La différence, qu'est-ce qui se passe? Depuis Chatzot. Lui il te dit que tu peux manger, tu peux continuer. Depuis Chatzot jusqu'au matin. D'après Rabbi Eliezer, depuis Chatzot, tu peux plus manger. Miette. Et d'après Rabbi Yehoshua, tu peux manger jusqu'au matin. Ok? On est clair? La marloquette elle est. Qu'est-ce qu'on peut faire de Chatzot jusqu'au matin? D'après Rabbi Eliezer, depuis Chatzot, tu ne peux plus rien faire, et le matin tu brûles. D'après Rabbi Yehoshua, tu peux continuer à manger jusqu'au matin, et le matin tu brûles. Donc Rabbi Eliezer, il va selon. Ça, notre Mishnah, qu'on ne peut manger que jusqu'à Chatzot, ça c'est le premier groupe. Et Rabbi Yehoshua, il est avec le deuxième groupe. Ok, deux traits. Mais il y a des gens qui parlent comme ça. Rabbi Eliezer. On le brûle. Quand est-ce qu'on le brûle? Non, c'est-à-dire, ça a raché entre parenthèses. D'après les deux, on devrait les brûler depuis le matin. Mais comme c'est Yom Tov, on ne peut pas brûler, on attend le lendemain. Mais on va dire théoriquement, on devrait le brûler depuis le premier matin. Les deux, ils disent qu'on ne peut pas le brûler. Les deux, il y a un problème, on va dire, il y a un problème technique, on va dire. Hein. La marquette, c'est est-ce que tu peux manger entre Chatzot et le matin? T'as très bien les airs, du coup, Chatzot, tu peux plus manger. T'as bien au choix, tu peux manger jusqu'au matin. Ok. Omer et Tagmara Akdosha. Ok. Comment? Avec plaisir. Chez moi, j'ai pas de. On reprend de Sham de Tania, donc de Vean et Tanae. On reprend dans les mots de la Gemara. On reprend dans les mots de la Gemara. Qui c'est qui me manque là? Samuel s'autorisait. Ah, Gabriel.
T'es malade? Ah, il y a la suite, sinon. Il est absent le mulard. C'est grave, ils sont venus. Peut-être qu'ils reviennent tout à l'heure. Dimanche, lundi, mardi. Ah ouais, ça va, ils reviennent tout à l'heure. Je te jure, ils vont mettre aussi. Ils reviennent dimanche. Il y a l'autorisation spéciale. Bon, s'il vous plaît, là. Pourquoi t'es fatigué comme ça, David? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es fatigué comme ça? Faut dormir la nuit. Faut dormir la nuit. Il est vénère sur la musique. Attends. Viens, on met les choses en place. 6h40, Korbanot. Pour être prêt à 6h40 au Beta Midrash, il faut au moins 10 minutes pour aller aux toilettes, pour se laver la figure, pour se brosser les dents, pour s'habiller. Donc 6h30, voilà. Maintenant, celui qui met, vous connaissez Emmanuel Selam, très gentil, très sympa, à votre madrir, demandez-lui qu'il change de musique. Vous voulez mettre Avraham Fried, vous voulez mettre Shweki, vous voulez mettre Mordechai Ben David. Ah ben sinon, vous ne réveillez pas. De toute façon, il faut que tu sois réveillé. T'es pas censé dormir. Mais je me réveille tous les matins. Alors, non, on fait un test sur Rétabli pendant une semaine, on voit sur la solution. Moi, j'ai une autre idée. Moi, j'ai pris l'habitude. Tout d'abord, le fait que les cours ils commencent à 9h15, ça ne t'oblige pas à ne rien faire. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui font Beta Midrash. La tefila elle se finit à 8h15. Et là, tu parles des chichettes. On est des chichettes. On est une grande yeshiva. Normalement, celui qui ne veut pas perdre son temps. Vous êtes venu que pour un an. Et bien pour 5 ans. Alors, en plus, sans raison. Et eux, ils sont venus pour 5 ans. Vous êtes venus pour un an. Donc, calme à Romer. Celui qui est venu pour 5 ans, il a plus de temps. Vous êtes venu pour un an. Donc, vous devriez étudier entre 8h moins quart, entre 8h et 9h moins quart, vous devrez tous être bêtes. Mais après 8h, ça arrange tout le monde. C'est grave, on a des langues de chasse. Vraiment, ceux qui sont venus pour 5 ans, ils sont venus pour 5 ans. Ceux qui sont moi, j'ai déjà fini chasse d'Afayol, c'est tout. Bon. Celui qui bat, il y a des choses pour balayer tout le monde, et peut-être qu'il travaille plus tard là-bas. Je pense pas qu'il y a des choses. Parlez aux madrichim, la vérité. Eux, leur boulot, c'est de vous réveiller. Et eux, ils doivent. Ils doivent que les gens ils soient en fait à la tuya. Alors ils jouissent de tous les moyens. La musique en arabe le matin, ça peut, c'est fini, c'est bon. Je me sens pas en Israël. Je me sens en Ramallah. Donc c'est déjà quand c'est à côté. Mais en fait, j'ai pas la musique qu'on va dans l'armée. Bon. Non, non, mais je suis désolé. Non. Ça y est, c'est fini, non, je dois partir, j'ai un mariage. Je propose que Jonas et Zenbach viennent de réveiller tout le monde. Bon. Un meurtre à la yeshiva. Bon. On peut étudier. Véane Tanae. Véane Tanae, Tanae, Shem Tzibach, Tanae, Zarbaï, Rav Kivu, Hashem, Rav Zarbaï, Mizraim. Donc, c'est la Véane Tanae, 7 machloket Tanaïm. Kéhane Tanae, elle est parallèle à une autre machloket Tanaïm. Que c'est vraiment deux machloket qui sont parallèles. Détail, on va dire la chose suivante. Shem Tzibach, Tanae, Zarbaï, Rav Kivu, Hashem, Rav Zarbaï, là-bas, tu feras le Korban Pesach. Ba'erev, on va expliquer. Kevo Hashem, on va expliquer. Voilà, on monte sur le Rav Zarbaï. Rabbi Zeridik, deux points. Ba'erev, c'est quoi? Ba'erev, t'as ouvert, c'est Chatzot. Ou Kevo Hashem, Shata Ochel. Au moment où le coucher du soleil, tu mangeras. Moi, je ferai Mitzrayim, au moment où sortiras d'Egypte, t'as Soref, c'est le matin. Rabbi Yoshua, Omer, Rabbi Shoei, dit Ba'erev, donc depuis Chatzot, t'as ouvert, tu fais le Korban. Tu fais la Shechita. Kevo Hashem, le coucher du soleil, t'as Ochel, tu manges. Mais le matin, t'as Ochel, jusqu'à quand tu peux manger? Jusqu'au matin, moi, c'est Rabbi Mitzrayim. La marquette, elle est, est-ce que tu peux manger toute la nuit ou pas? D'après Rabbi Eliezer, tu peux manger jusqu'à Chassot. D'après Rocha, tu peux manger jusqu'au matin. Point. Amarabi Abba ou Amarabi Abba. Rabbi Abba nous dit, Yakol Moïse, tout le monde est d'accord. Chenigalou Yisrael Mitzrayim. Quand a été donnée la permission, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné le feu vert de sortir d'Égypte,
L'onigalou et la baïre, le favoret était déjà donné le soir. Chez les marques, comme il y a marqué, au tsiacha, chez le kichamitraim, mais la kachrou est sortie d'Égypte le soir. Le feu vert d'Akadosh Baruch Hu était donné le soir. Ou chez Yatsou, quand ils sont sortis, Yatsou et la baïre, ils sont sortis que la journée. Chez les marques, comme il y a marqué, mais Chorata Pessah, le lendemain du Corban Pessah, c'est-à-dire le 15 au matin, Yatsou et Israël et Adam Rama, ils sont sortis avec force. Alman et Rikou, quelle est la marquette entre les deux? Atche Atripazon, c'est quand le moment de précipitation? Rabbi Lazar ben Azaria, Savar, il a dit, Maïchipazon, c'est quoi la précipitation, des Mitzrayim, des Égyptiens? Nous dit Rashi, Chipazon des Mitzrayim, Makata Bechorim, c'est la plaie des premiers-nés, que là, les Égyptiens, ils ont vu que dans toutes les familles, les premiers-nés, ils sont morts. En plus, c'était tous les premiers-nés, premiers-nés de la mère, premiers-nés du père, premiers-nés de tout ce que vous voulez, des adultères, ce que vous voulez. C'est Rashi dit là-bas. C'est-à-dire, dans chaque maison, il n'y avait pas un qui est né, il y en avait plusieurs. Nerpezou, les mères, les chats, les chams, ils ont dit, allez, sortez, ça c'est depuis Khatsot. Mais Rabbi Akiva a dit, ça va, Maïchipazon, c'est quoi la précipitation? Chipazon d'Israël. C'est la précipitation des Juifs, de l'Israël qui est sorti le matin. Rashi, Chipazon d'Israël, le Shem Oulahem, ils ont été d'accord de sortir que le matin. Rashi. J'ai sauté un rachis, je prends le rachis à Kolmodim, tout le monde est d'accord. Rabbi Akiva gouffé, Rabbi Akiva lui-même, modé, il reconnaît, il est d'accord. Chez Alaïla, Mechatzot Ve'elach, Aïta, chez Atripazon, les Mitzrayim, Shachamina Aretz. Que Rabbi Akiva aussi, malgré qu'il dit qu'on mange le Korban Pres Pessah jusqu'au matin, pourquoi, malgré qu'ils sont. Parce qu'en fait, ils sont sortis déjà depuis le soir. Mais Erem Nigalo, c'est quoi qui sont sortis ce soir? Netelam Rechut la tête, ils ont la permission de sortir. Donc on voit que cette machloquette est très intéressante. Cette machloquette, jusqu'à quand on mange au Korban Pessah, jusqu'à Khatzot, jusqu'au matin, c'est parallèle aussi véritablement, quand est-ce qu'on regarde la chose quand ils sont sortis, ou est-ce qu'on regarde la chose quand a été donné le feu vert? C'est-à-dire là, il serait véritablement sorti le matin. Mais le feu vert a déjà été donné depuis Khatzot. Donc, drapé Rabbi Lazar ben Azaria, écoutez bien ce chidouche. Celui qui dit, on avait plusieurs avis qui disaient qu'on mangeait le Korban Pessah que jusqu'à Khatzot, pas plus. Et Rabbi Akiva, on mange le Korban Pessah jusqu'au matin. La question, elle est, comment on regarde la Géoula? J'attendais. Est-ce que la Géoula, elle est au moment du feu vert? Ou bien, est-ce que la Géoula, c'est véritablement quand on est véritablement sorti? Ok? C'est comme quand il y a quelqu'un qui est. Il y a quelqu'un qui est dans une prison. Il y a quelqu'un qui est dans une prison. Ok? C'est quand la Géoula, quand on lui a annoncé, tu sors, quand tu sors d'Égypte, ou bien la véritable libération, c'est quand il sort réellement de sa prison. C'est quand on va dire par exemple dans la Shoah, quand est-ce que la Géoula elle était? Quand ils ont su que les Allemands ont perdu, les rescapés sont dans des camps de concentration. Les Américains, ils ne sont pas encore arrivés. Mais ils ont entendu que les Allemands ont perdu, les Allemands ont fui. Eux, ils sont là-bas dans les camps, ils ne savent pas encore ce qui se passe. Mais pour eux, c'est déjà la Géoula. Ou bien la Géoula, c'est véritablement quand les Russes ou quand les Américains, ils sont venus sur place et ils ont véritablement libéré. C'est pareil, c'est quand tu sais la chose, ou bien c'est quand elle se passe réellement. Ok? Et cette même machloquette, on la voit dans ma Sechet Pesachim. Mais une machloquette, et comme ça on va finir le jour d'aujourd'hui. Une machloquette là-bas, il y a quatre verres qu'on boit à Pesach, d'accord? Il y a une machloquette, c'est dans quel verre on boit, Be'asava. On boit en étant. Assoupi, on dit ça. À Pesach, on boit les verres, comme ça, comment on dit en français? Accoudé. Est-ce que. Alors, dans la Gemara, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit qu'on s'accoude les deux premiers vers. Et il y a un avis qui dit qu'on s'accoude les deux derniers vers. Et la Gemara là-bas dit, c'est quoi la Svara? Il y en a un qui dit, c'est on s'accoude les deux premiers vers parce que c'est à Tralta de Géoula, c'est le début de la Géoula. Et l'autre, il dit, on s'accoude les deux deuxièmes vers. Pourquoi? Parce que c'est quand véritablement ils sont sortis. C'est que la Gemara, elle dit, on s'accoude les quatre vers. Mais c'est quoi la machloquette? L'idée, elle est, c'est quel est le point essentiel de la Géoula? C'est le début, c'est le shoresh, c'est la racine, c'est quand on a su, même si ça c'est pas véritablement réalisé. Ou bien quand ça c'est véritablement réalisé. Et aussi d'où dans notre vie? Est-ce qu'on va dire
On fera aussi dans notre génération à nous. C'est peut-être aussi la machloquette. Comment regarder aujourd'hui la Géoula d'aujourd'hui? Les sionistes, déjà, à la le Rav Kook, déjà, avant même. Avant même. On veut pas avoir. Dan, tu rates un peu. Non, on veut pas la politique. Les sionistes, ils te disent, le Rav Kook, ils te disent, même, il y avait la création d'Israël n'a pas été en 1948, n'a pas été de 5 à 508. Il te dit déjà que le peuple juif a commencé à venir en Eretz Israël, même si c'était encore les guerres, les machins et tout. Déjà, c'est le début de la Géoula. Non, il faut attendre que la création de l'État. Il y en a qui, même aujourd'hui, ne voient pas encore la Géoula. En fait, c'est des chavim, c'est des étapes. Chacun, quand est-ce qu'il voit la main d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est déjà dans le chorège, dans le début, ou quand ça se réalise vraiment? C'est la racine.